La vie des saints. Saint Herménégilde, martyr, fêté le 13 avril. Saint Herménégilde était le fils de Léovigilde, roi arien d'Espagne. Il épousa Ingonde, fille de Sigebert, catholique très zélé, roi d'Austrasie, en France. Léovigilde, ayant associé ses fils au gouvernement de son royaume, Séville fut donnée à Saint Herménégilde. L'exemple de sa fervente épouse, les exhortations de Saint Léandre, évêque de Séville, déterminèrent la conversion d'Herménégilde. À cette nouvelle, son père résolut de le déposséder de son royaume et même de lui enlever la vie s'il ne retournait pas à l'arianisme. Il le fit d'abord mettre en prison dans la tour de Séville, employant promesses et menaces pour ébranler sa constance. Au temps de Pâques, le père envoya à son fils un évêque arien pour lui donner la Sainte Communion, avec promesse de recouvrer ainsi les faveurs paternelles. Herménégilde refusa de communier de la main d'un hérétique. Le père, en colère, envoya alors des soldats pour le mettre à mort. L'ordre barbare fut exécuté et Saint Herménégilde mourut plutôt que de renier sa foi. C'était en l'année 586. Prions. Ô Dieu, qui avez appris au bienheureux Herménégilde, votre martyr, à préférer le royaume du ciel au royaume terrestre, donnez-nous de suivre ces exemples en méprisant les biens périssables pour nous attacher au bien éternel. Amen.